Bien entendu. C'est foutu depuis longtemps. Depuis l'origine. Tu ne représenteras jamais, Raphaël, un rêve érotique de jeune fille. Il faut en prendre ton parti. De telles choses ne sont pas pour toi. De toute façon, il est déjà trop tard. L'insuccès sexuel, Raphaël, que tu as connu depuis ton adolescence, la frustration qui te poursuit depuis l'âge de 13 ans, laisseront en toi une trace ineffaçable. À supposer même que tu puisses dorénavant avoir des femmes, ce que, très franchement, je ne crois pas, cela ne suffira pas. Plus rien ne suffira jamais. Tu resteras toujours orphelin de ces amours adolescentes que tu n'as pas connues. En toi, la blessure est déjà douloureuse. Elle le deviendra de plus en plus. Une amertume atroce, sans rémission, finira par remplir ton cœur. Il n'y aura pour toi ni rédemption, ni délivrance. C'est ainsi. Mais cela ne veut pas dire pour autant que toute possibilité de revanche te soit interdite. Ces femmes que tu désires tant, tu peux toi aussi les posséder. Tu peux même posséder ce qu'il y a de plus précieux en elles. Qu'y a-t-il, Raphaël, de plus précieux en elles? Leur beauté? Hasarda-t-il. Ce n'est pas leur beauté, sur ce point je te détrompe. Ce n'est pas davantage leur vagin, ni même leur amour, car tout cela disparaît avec la vie. Et tu peux, dès à présent, posséder leur vie. Lance-toi dès ce soir dans la carrière du meurtre. Crois-moi, mon ami, c'est la seule chance qui te reste. Lorsque tu sentiras ces femmes trembler au bout de ton couteau et supplier pour leur jeunesse, là, tu seras vraiment le maître. Là, tu les posséderas corps et âme. Peut-être même pourras-tu, avant leur sacrifice, obtenir d'elles quelques savoureuses gâteries. Un couteau, Raphaël, est un allié considérable.